Donc PS2, encore une fois. Voilà, phase classique de choc. De choc, pardon. Alors. Une Bowser qui est déjà en désavantage là, clairement. Ouais, c'est très qui va, là, ou voilà, qui fini, va pas ouais. revenir. Matchup, c'est juste deux joueurs qui se connaissent très bien quand même. Oui. Et c'est parti pour les barrières de terre encore une fois. C'est en air, ça va se spot-up. Voilà, les fers en tenue. A mon avis, ils voulaient donner, mais ça a plutôt fait un peu de smash. Ah, voilà. But he shook his head there. Yeah. His air dodge was a little bit too unfortunate. He probably tried to drift away at first and was like, nah, I gotta air dodge, but then like healed both buttons and yeah. Very unfortunate, but yeah, that back is so strong. Okay. Quick get up option from Whoopi Deer, not getting caught by any traps. Oh, okay. Like after some time got a little bit more hits in, more combos, and then those like early stocks of like the forward smash. He just like little by little like built his advantage. So Whoopi just needs to be on top of his game here. He knows about some of the setups now, he just experienced them firsthand. Oh, he missed the package. Nice. Oh no, the thunder! Okay, there's the spike! And this is going to take... No. Wow! Can stay in the air for so long, so many jumps. 90 on Whoopi, ooh, goes for the F smash again. Yeah, good, I think that's like the highest level Kirby gameplay I've ever seen in this yeah. game. Oh, gets him! With the bike there. Là, s'il place encore un grab, il est mort, hein, clairement. Même un petit F-tilt, je pense. Ouais, dash attack. Il essaie de mettre des F-tilt là, parce que ça fait très très mal. Et ça oh là là. Et là, il est remonté, hein, le Kirby. Ouais. Ouais, bah voilà. Et les Strasbourgeois connaissent, quand t'en prends un, tu prends les 4 autres après. Voilà, c'est ça. Et encore un, jusqu'à que tu meurs. Et ça y est, on commence le juggle. Et Backer, Kirby qui a quand même un bon kill power. Voilà, le downer. Totalement free. Hop, et donc, oh, Shock qui revient directement avec une petite conversion. On shield get up attack et on est tout fort à terre. Hop, et le downer. Et on tue sans problème. Le démon. Je pense sans doute que Shock. Oh, attention. Ouh, hop, ça part. C'est quelque chose qu'on craint beaucoup le ici. Fair train. C'est quelque chose qu'on craint beaucoup ici. Il est bon. Et voilà, le fair train. Welcome to the fair train. Le bourgeois, on veut qu'il gagne finalement. Il y a des gens qui diraient non. Pour l'instant, petite phase. Une win de neutral de choc et sa capacité déjà pour servir quelques temps. Oui. Des petits combos. Un dancing jab, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Mais c'est un mix-up utile, c'est sont plus vite que le dancing. Et c'est le stage control, donc c'est pas négligeable. Donc, ah, les premiers pourcentages sur Kirby, mais. Ça commence à passer un peu les murs de fer à côté du Lucina, mais bon, Shock qui passe au travers finalement. Voilà, on commence à avoir plus de la patience au niveau des aérioles et c'est le truc de Lucina qui va bien profiter de Shark et plateforme. Il va pouvoir tech chase dessus avec son Lurk et Polymata, ça c'est pas nouveau, c'est pimelé. Donc ça va quand même être un peu plus avantageux pour Kirby, mais. Ouais, c'est surtout que Kirby aura. Il va pas se faire perturber par. Par des choses du genre. Et le temps de Battlefield. C'est ça, oui, depuis le buff de Kirby, les plateformes de Battlefield peuvent être pertinentes, mais. Et alors. F3 le downer, c'est pas tout. Donc Léon qui en profite pour qu'on teste avec son FBR, c'est pas en l'air. Paris pour remplacer le upshift. Ouais, après son game il va. Hein. Lucinant des avantages, Backer qui passe. Ah, attention, Choc qui va chercher très profond. Ah dommage. Mais les deux vont vraiment venir. Il était cherché un peu loin, mais. Donc il cherche un peu trop ses mérins. Du coup qui va se faire punir. Là on est sur PS2, on est très très... Ouais c'est vrai que Amizar ça m'a l'air assez fort contre Kirby. Contre Raikou. Je vois pas... je connais pas du tout le... Mantoid il a beaucoup de range avec ses aérioles, donc Backer notamment, Fer aussi ça peut être pas mal. Mm. Et tu vois, là Backer pas mal. Et du coup on a aussi le Bear, Spike bien. Ouais. Et le Upper qui vient... Ok, bon, tu vois déjà les tranchermes qui empêchent le jeu au sol hein, de jeu sous choc. Ouais. Là il va devoir vraiment sauter au dessus.
sauter. Oh là 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 là, quel adjourn. Le side B. Non, 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 il suffira pas. Ah, oh, il est rentré, genre ouais. il s'est mis dedans, tu vois. C'est plongé. Et Shaq, il aime bien utiliser les petits moules là, qui l'aspirent, genre le petit neutral bêtard bizarre, même si on voit pas sûrement sur le perso. Il a quand même trouvé une petite utilité. Ah, il a mis quelques pourcents avec toi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas toujours mal. Ça pris. Et Shaq, il aime vraiment bien bait ses approches, tu sais, il saute. Ouais. Et voilà, là le. L'échappe de ça quoi, les flèches aussi. Non mais. Juste, tu peux punir à la bombe quoi. Dis-toi, à un moment j'ai vu mon boomerang passer au-dessus de lui. J'ai vu vert, hein, vu que je suis Link. T'as vu ça, il lui a placé 43% là. Et ça a déjà l'idée 67%, va falloir revenir assez vite. Si ça veut espérer gagner, parce que c'est quand même dur de comeback sur Je suis Choc. Ah, il a tenté de. Ouais. De faire la ride avec le. Ouh, ah, là voilà, il s'est fait DR. Avoir. Ouais, évidemment. DR qui. Ah, regarde là. Petit chapeau trop mignon. Verrir qui essaie de diriger son bouclier pour éviter de se faire shield poke. Mais il se fait punir vraiment. Choc qui trompe toutes les rides et qui punit. Il est assez bien. Alors, il a tenté encore une fois, il va se faire punir. Donc il est off stage. Ça c'est dangereux pour faire rire. Mais il réussit quand même à revenir sur stage. Et ça trade et ça tue. Angle, hein, ça pourra pas tuer oui. À tout hasard. Ça aurait pu. C'est justement cette partie penchée qui je pense facilite sûrement le facilite, truc. Ouais. 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 Ouais, pas trop de trap là, il est en resté plus, au milieu du stage. Kirby qui crouch là dessus quoi. Ouais. C'est il ça. Peut juste croucher down tilt all day every day quoi. Il a volé le pouvoir de Fox. Bon, ah le petit laser, ça aidera pas grand chose. Le petit cosplay Fury. Hein. Regarde ça, il est passé sous le grab. Ouh, franchement, c'était tellement cramé qu'il allait le faire. S'il avait F-Smash là-dedans, il explosait. Ah oui. Quoi. Ouais. Le F-Smash, voilà. Mauvais side build. Reprends enregistré, nous, par contre, mais ça peut se faire. T'aurais dû développer des jeux, mec. Hein. T'étais pas loin en vrai. On aurait pu faire des sales Nintendo Direct. Alors que pendant ce temps, le down tilt trip toujours. Bien évidemment. Pourquoi changer un truc qui marche aussi bien. Au moins, on a un peu d'animation, sachant que le monde est en rate triplé et il est parti. Ouais, alors là, la salle, elle est vide. Il y a Omika en train de survivre à peu près dans un canapé. Il y a Lexi qui est en train de survivre aussi, tant bien que mal. Et il y a autre. Il aurait pu juste le grave en plus. C'est vrai, mais. C'est passé, donc c'est bon. Ça aurait été plus optique que le grave. C'est vrai, mais. Ça a marché, donc ça va. Down smash. Pour l'instant, c'est vraiment Choc qui garde là. Bien avec les mots de bonheur. Faire qu'il s'impatiente un peu sur les bases de Kirby. Ça met 5 minutes. Ah, le. Ça va pas tuer parce que on a le droit et le fair off stage. Qui va prendre la stock. Une stock entière d'avance pour Kirby. Bowser qui est peu agile off stage, donc forcément, ça va pêcher. Voilà, combo. Et ah. Là, a priori, ça va d'air, ça va d'air. A priori, c'est fini. Ah. Et ouais. Voilà, ça tue. Le stock control. Tout up smash là. C'était joliment joué. Voilà. Une fois de plus cette trip, ça ne tuera pas encore. La fin. Oh. Ah, mauvais timing. Mauvais timing parce que là, en vrai. Ça, c'est quelque chose qui marchera qu'une fois. Hein. C'est comme dans le match contre. Bah, en fait, tous ces matchs Choc. Tous ceux qui essayaient de Rico bas, ils commençaient à faire des Rico exactement comme ça. Et au bout d'un moment, Choc, il arrivait à les punir. Confirme, ah il a pas rebondi. Par contre là, Backer, ouais. Et qui a quand même le petit genre, de par exemple là, le fer ouais. Il a pas touché parce que Kirby il est parti. Ok, donc là. Bon, c'est assez even pour l'instant. Bon, là, ouais, là. Ouais, là. Belle phase de. Ok, phase de turn. Et là. Ok, ça a rien trouvé. Ça se regarde dans le tune un peu et. Bah, les deux ils ont des bons moves space là. Bien. Oula, le S-Smash pour venir le landing en général, souvent quand tu. C'était Kirby qui avait pris la première stack avec le neutral B, mais en fait c'est Ike. Ah non, c'est ça. Oui. Il y a eu un coup, neutral B qui a fait un stage pike. Ouais, il peut carrément retourner son arme contre Uji. Est-ce que dans le match-up c'est pas bon? Je pense que c'est situationnel, mais je pense que ça peut être utile. Edgeguard, hein, en soi. Ouais, il peut Edgeguard, mais en vrai, Ike il a beaucoup de hitbox devant lui pour Edgeguard, c'est. Faut être précis, tu vois. Faut être précis et je pense qu'il préfère pas vraiment commit, pas vraiment se mettre off stage et envoyer ses projectiles avec le AB.
qui est pour le save. Ah, il a couru. Tiens. Un stock, si t'arrives pas trop à prendre la stock, je pense qu'il peut, il peut vraiment revenir. Ryuji, il a les capacités pour. Il faut qu'il trouve les kills. La dash attack qui passe au-dessus, tu vois, il le coiffe. Car il le recoiffe. Oh là. Ok, c'est bon. C'est ça, ça se voit que c'est très difficile contre ouais. ce match-up. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment. Oh! Et voilà.